Bonny, selon porte-parole la police d'un inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers. Dans l'interview Salba Radio Kiskeya journée jeudi à porte-parole la police non cependant pas confirmé information qui continue à circuler surtout sur réseaux sociaux qui laisse quoi chef gang ça vient Odma Tamouri en babal la police pendant opération ça n'attendez porte-parole la police inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers dans micro Laurie Louis Jeune. La police mène une opération, la police c'est jeudi 14 janvier, et qui se passe là, dans Grand Crif, qui est trouvé dans Savien, qui sont localités de Petite Rivière, et pour d'abord, c'est avec les populations et captives dans un sabbat qui est en activité. Alors, bilan partiel là, il y a 6 personnes qui sont interpellées, et qui pour le moment sont cuisinées au niveau de la police, il y a lors d'affrontement, il y a 3 résumé bandit qui malheureusement blessé mortellement, gagné tout au policier blessé. La police l'habite toujours sur nos ensemble de zones qui généralement difficile d'accès et qui des zones côté que les bandits qui empêchent la population d'activer. Il y a une information qui fait croire que chef gang Odma li prend balle, li mouri. Est-ce que la police confirme l'information ça? Pour le moment, pas en mesure de confirmer l'information, mais par contre, nous avons un ensemble de travail, nous avons un renseignement qui l'a fait. Est-ce que il y a une population qui est arrivé tout touché en bas à touche bandit? Alors, c'est un bilan partiel et c'est certain que notre semaine n'a pas mesure pour faire son bilan définitif, mais on a dit tout que la population lui-même comprend la nécessité pour que l'hypothèse collaboration de tout et dans l'ensemble d'opérations, dans l'ensemble de travail que la police a fait. C'est certain que nos populations ont fort nous protéger lui et ça fait que nous modèles et seule façon capable de nous, c'est par nos bonnes informations et pour que nous capables d'aider ensemble. Parce que nous toujours dit que bandit ça que nous voyons et il y a plus nos quartiers, il y a plus nos zones et pour qui prennent ces populations et populations lui-même estimées et au niveau des zones ça que lui en danger avec nous ça et ça fait que nous avons collaboration avec la police. Est-ce que beaucoup d'opérations au campé? On a une liste d'autres opératoires, d'opérations, disons, au niveau de la police, mais nous ne pas campé, nous ne pas baisser les bras. Et pour que les citoyens disent, c'est pour nous permettre que nous soyons capables de baquer des groupes en activité. Et la volonté, là, au niveau de la police, les policiers sont motivés pour que nous capables de permettre, enfin, des gens qui vivent dans la zone, ça, et l'autre zone, tout, et qui, après, panique pour que la police soit capable de déloger, éclater, résoudre les gangs et procéder à l'arrestation conduite devant la justice. Madame porte-parole, la police, non, inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, dans le micro, Laurie Louis Jeune. Concernant la situation politique, il y a une grosse mobilisation qui a continué, en pile rencontre dans le secteur opposition par rapport à l'échéance 7 février 2021, qui s'est fait mandat constitutionnel Jovenel Moïse. Sénateur Nenel Kassi, un dirigeant secteur démocratique et populaire, a dénoncé intimidation craponaille famine subie dans le département Niplan. C'était hier dans les accusés pouvoir tête KDA. Et d'après ça le précisé, il fait connait commissaire gouvernement Miragwana te prend et machine ni en otage qui te gain la donne maman ak frèl ensemble avec chauffeur pendant plusieurs temps. Li salue courage maman, il dit qu'il pas prendre en provocation ça. Et li promet la participer caribaré dans toute mobilisation qui a fait tant que ça prévoit 21 janvier qui a fait dans département NIP pour demander respect constitution et toujours dans déclaration le fait dans micro nous sénateur Nenel Kassi et parler tout de question et mandat et Jovenel Moïse dans qui clair dans ça qui concernait élection et 2016 je n'attendais qui te parler comme ça dans micro Hervé Noël. Yo sorti une vidéo et dans vidéo ça n'a attendé ancien président CEPA Léopold. Son vidéo qui tranchait sous tout débat. Elle dit très clair que CEP qu'elle t'a dirigé sans pression, sans influence, yo prend une résolution pour yo continuer élection qui était initiée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans l'esprit et dans logique article 134-2 mais même CEP ça a été respecter la loi et c'est dans respect la loi et que jodi a Jovenel Moïse il gagne responsabilité pour 7 février 2021 il marie paquet et dans ce ça moi même comme sénateur Yuri Zokiki Salomon Larèche Jepin et en pilote toujours que Jovenel te prend décision
pour te dire madame fini et il te fait tout ça possible pour te faire décision ça à respecter. Ah mais jodia c'est pas Jovenel qui va faire décision pas la respecter. C'est peuple haïtien un peu partout à travers le pays et même dans diaspora permettez-moi saluer diaspora qui t'est lancé journée 15 ans et qui sont succès général. Et dans cadre ça moi quoi responsabilité peuple là destin peuple là prendre en main. N'a dit avec tout camarade qui te porter support particulièrement ban moi et ba famille en général par rapport avec intimidation pouvoir PHTK fait sous maman avec machine frem sécurité ou bien chauffeur frem nan côté commissaire gouvernement de facto il était pris en otage machine ça on l'autre fois encore moins saluer courage maman une femme vaillante une combattante et qui kembe moral li très haut. Il y a un monde qui me remet en pile. Et nous avons constaté, nous avons comprendre le degré d'intimidation. Et maman me dit, petit, moi, continue la bataille parce que la bataille qu'on a fait, c'est la bataille pour la libération du peuple haïtien. Li avec, li avec le peuple haïtien. Et dans ce sens, je me dis, mon ami, nous l'autre fois encore chapeau pour vous. Parce que vous avez été solidaire avec la famille. Et nous-mêmes, nous avons été solidaire avec vous. Et c'est dans ce sens-là, même Jean Sénateur Johnson dit là, 21 janvier, nous tous avons débarqué. Qui ça a fait? Nous avons débarqué. Ça veut dire, NIP ou pas pour contour, peuple là, avec vous. Et 21 janvier, nous avons débarqué dans NIP. Voilà, un dirigeant opposition, Sénateur Nenel Kassi, qui t'a parlé comme ça dans l'intervention ça. Maître André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire, qualifié journée mobilisation commencé hier 15 janvier, dont réussite totale capitale. Dirigeant opposition qui a fait intervention jeudi à une rencontre avec la presse, qu'on a eu une personnalité opposition qui était présent et parler diverses communes, côté citoyen, qui est sorti sans garder des aides après ça, dit pour exprimer le bol par rapport à Jovenel Moïse. Et avenir et pouvoir et tête caléa rendez-vous le 7 février 2021 la boute d'après ça le dit il parlait tout sous mobilisation qui fait dans plusieurs communes en province qui tient dans sud-est dans sud dans plateau central dans la Tibonite malgré intimidation il dit fanatique pouvoir t'a fait pour empêcher manifestation ça est arrivé fait en province de continuer saluer engagement monde dans la Tibonite particulièrement Gonaïve mais tout dans nord-est Wanamet qui fait un dévoyo dans l'ouest c'est pas parler mais André Michel dénoncer comportement la police dans Port-au-Prince qui te tire gaz sur monde qui t'a manifesté et il condamner tout comportement la police tant que t'es agressé à la fois journaliste militant qui t'es dans manifestation et puis avocat et il t'es al boué dans prison sans raison n'a attendé mettre André Michel dans conférence pour la presse ça. Côté Hervé Noël, tu es présent pour Radio Kiskeya. Un policier qui a utilisé la violence aveugle, la violence excessive pour attaquer des citoyens qui défendent le droit démocratique, yo, son policier qui comportait de façon antidémocratique et au monde comme ça, il n'y a pas de place li dans notre police républicaine. Rivé Kafoutifou, il y a un militant qui est dirigeant challenger populaire, tout le monde connaît, c'est Mackinson éprimé. Il a été arrêté. Il a arrêté monsieur, il a frappé, il a battu le coup. Mais heureusement, heureusement pour lui, heureusement pour toute opposition, hein, suite à l'intervention d'une série d'avocats, notamment Marc-Antoine Maisonneuve et Maître Théophin, Arnel Rémy, Darlene Blaise, Darlene Moïse et un pile d'autres avocats, qui ont joué une libération vers 3h30. Mais ça n'a pas fini là. Il y a des avocats qui ont été séquestrés dans le commissariat Port-au-Prince, nous condamner le comportement ça. Des avocats qui ont intervenu pour faire libérer des citoyens arrêtés, quelle que soit l'opinion politique citoyenne, avocat ça n'a pas le droit d'attaquer, il n'a pas le droit d'agresser et il n'a pas le droit de séquestrer. Il a été fermé, avocat ça, mettre mes honneurs avec M. Théophin, il n'est pas capable de sortir dans le commissariat de Port-au-Prince. Nous condamnons ce comportement de la police et nous nous réservons le droit de porter cette affaire
par devant l'instance disciplinaire de la police nationale d'Haïti, c'est-à-dire l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, pour qu'il soit fait ce que de droit, c'est-à-dire pour que des sanctions puissent être appliquées contre ces policiers fautifs, ces policiers bourreaux qui ont violé les droits de ces avocats dans l'exercice de leur profession. Et il y a plusieurs monde qui est victime. Donc il y a des journalistes que yo frappé tant coup Oriol Jacquelin qui travaille pour RCH 2000, yo frappé là-dedans commissariat Port-au-Prince pendant il t'a couvert événement. Il y a Edris Fortuné qui travaille pour agence en ligne, il les bleus et rouges, lui-même tout yo frappé comme journaliste. Nous condamnons ce type de comportement et nous disons attention aux policiers, on ne peut pas accepter ça. Gagnent des militants, plusieurs militants qui ont frappé dans une champ de masse là, tant que Dumé Mackinson, Challenger Populaire, gagnent Tiblan Tatou, tant pis l'autre camarade qui ont frappé dans l'air du champ de masse. L'air du champ de masse pratiquement a été transformé en un champ de bataille par les policiers. Mais si Blanc a tout devant nous, on a regardé tête li, côté au frappé dans le pied, on a cassé tête li, on a cassé bouche li. Ce comportement est anti-républicain et nous n'accepterons jamais ce comportement qu'un policier capable d'afficher contre des citoyens à l'occasion de l'exercice de leurs droits politiques, à l'occasion de l'exercice de leurs droits démocratiques. Et des plaintes seront portées par devant l'inspection générale pour faire sanctionner ces comportements arbitraire. En termes de conclusion générale, comité mobilisation citoyenne pour respect constitution a capable dit, la journée de mobilisation nationale du 15 janvier 2021 a été un succès total capital, un succès populaire. La conférence pour la presse, maître André Michel, bord côté pâle, gain dirigeant Combitlan, non, même conférence pour la presse, non. Et professeur José Mérilien qui a annoncé un nouveau calendrier de mobilisation pour continuer à dénoncer le comportement pour voir tête calée qui a fait répression sur la population et puis demander pour respecter sa constitution dit. Dans la conférence pour la presse dans le local secteur démocratique dans Delma 60, à la tête Combitlan a invité la population dans un débat qui a fait sur le thème transition, coupé fâché avec un coup d'œil culturel. Je qui va 19 en janvier qui a venu là dans faculté sciences humaines. L'autre rendez-vous syndicaliste là annoncé, c'est la date 20 janvier qui a venu là devant ambassade américaine dans l'occasion investiture nouveau président américain Joe Biden. Professeur Josué Mérilien bail détail comment rassemblement fait le 21 janvier là, il parlait tout de gros mobilisation qu'a fait dans département NIP. Dans le cadre nouveau calendrier, ça, l'autre rendez-vous tout, c'est 22 janvier, qui c'est anniversaire, gros manifestation, sans attendre, qui était faite hein, pour te lever, camper, pour te empêcher élection Green Soulier, t'es faite dans le pays, et sous le premier gouvernement tête calée. Alors, c'est le chef régime qui était sous pouvoir, qui t'a organisé une élection Green Soulier. Dans l'occasion, ça, d'après le professeur Mérilien, manifestation, la baille détail qui côté pour le passé et la trier, n'attendait à la tête comme bit organisation politique et syndicale, le professeur José Mérilien, toujours dans conférence pour la presse à côté Hervé Noël, te présent pour être Kiskeya. Premier date baille, c'est 19. Mardi 19 janvier, la baille, il y a un gros débat dans la fac de sciences humaines sous thème de la transition de la rupture, nature, exigence, feuille de route. Donc, dans ce sens-là, nous attendons tous les militants, tous les élèves, étudiants, parents, toute la population, dans la faculté des humains, que nous avons un gros lacou, que nous avons réuni pour un gros débat, et après débat, beaucoup de gens culturels après débat. Qui a fait à 2h dans l'après-midi, dans la cour des humains. Deuxièmement, le 20, c'était une grosse journée de mobilisation encore, côté militants, population, c'est journée côté Joe Biden après investiture. Population appelle devant l'ambassade là pour la dire Joe Biden, il faut respecter l'accord qui a été gagné avec Haïti dans la diaspora, qui cette fois-ci, pas de on vote en blanc comme ça. Il a été voté Joe Biden sous base pour Joe Biden pas continuer à appuyer dans le pays, gouvernement gang, gouvernement criminel, le gouvernement PHTK. Deuxièmement, pour que les Américains suspendent
fouet bouche dit c'est quoi regarder le pays a et j'ai américain non côté c'est si son ambassadeur américain qui a fait des faits avec un petit scandale baléa qui a petit l'autre côté de pays a ça va suspendre. Donc nous mêmes militants et population hein, citoyens haïtiens femmes ou garçons à direction ambassade américaine et n'a lieu côté plus gros lieu qu'on a réuni, c'est en bas pour résistance pour nous prendre direction ambassade là. Tout l'invité, et ça avec un agenda nous, que le 19, nous avons débat sous question pression coupe fachéa, les sens humaines, à 2h, et levé depuis 8h30, 9h, tout le monde sous béton hein, pour direction ambassade américaine. Le 21, a bien un NIP, une mobilisation spéciale, parce que là, il y a une répression qui a fait. Quand nous avons gouverné notre bois, donc à bien d'Asie, fait une grosse journée de mobilisation dans NIP de manière spéciale. Le 22, nous rappelons, 22 janvier, c'est date peut-être de camper contre l'élection Malachong qui a fait en 2016. Il a été fait camper sur l'élection ça. Bien que il a été coulé, il y a le bon nous, l'élection Malachong encore avec Lionel, mais peut-être de camper et il a fait back. Même si c'est de manière momentanée, 22 novembre, 22 janvier, son gros jour d'histoire, lutte pays d'Haïti, c'est bien ça, nous choisissons 22 janvier pour une grosse manifestation. Cette fois-ci, nous avons sorti la ville, nous avons passé Carrefour Aéroport et nous avons sur une Pétionville, descendre pour Don et pour la goutte chef de masse. Voilà, nouveau calendrier mobilisation. Professeur José Méridien. N'a bien pour nous retourner puis devant le journal là sur divers points qui concernaient l'actualité politique là. Mais on fait premier coup de pied dans l'actualité internationale là, qui a peine évidemment dans le pays États-Unis. Côté c'est un Trump en déconfiture qui a quitté Maison Blanche non, 20 janvier qui a venu là, juste avant midi. Avant successeur qui c'est Joe Biden prêté serment pour prendre direction politique en pays États-Unis. Finissement mandat chaotique pour Donald Trump et qui a coûté très cher. Après investiture Joe Biden non, mercredi 20 janvier qui a venu là, eh bien retourner dans la vie normale à chercher l'autre activité pour le mener, ça pas facile pour businessman New York là. Pi fort dans ancien président américain yo là qui était Maison Blanche en pile fois son repos yo qu'on a le prend yo a envisager qui l'autre qualité activité yo capable bénin dans cadre retraite bien mérité après fin passer dans Maison Blanche tan. Par exemple ancien président George Bush la école dans peinture qu'on est là il c'est un peintre et ancien président Barack Obama ak madame ni yo même y a fait documentaire pour Netflix. Et ben Donald Trump une fois il fin quitté Maison Blanche tan 20 janvier li là encore li pral distinguer mais dans mauvais sens li pas capable suivre ancien président pareil yo parce que li même li pral non paquet bouleverse 45e président américain mandat a fini mercredi en 20 midi dans Washington en 20 Joe Biden prêté serment c'est à midi exactement. Li pap capable espérer pral retourner non vie civile normal côté le ka coucher sous cabane abdormi sans que le pa gen ken ka sauté et au contraire li pral gen un paquet de problèmes non seulement problème politique à partir de événements sans pareil attaque qui fait tentative coup d'état contre Capitole là li en face un procédure destitution la rentrer dans l'histoire comme seul président yo fait tentative ça deux fois contre li. Et ancienne star télé-réalité a pral gen pi difficulté pour ka retourner tout dans activité business et Jean te toujours battre l'estomac li pour dire c'est un homme d'affaires hors pair qui te gen pi succès et c'est sur ça il te bâti image li jusqu'à ce que li menen dans bureau Oval et Maison Blanche là monsieur yo rend ni responsable et attaque ça que en pile monde jusqu'à présent son cauchemar yo dérefuser quoi ça ouais attaque en partisan Trump yo et contre Capitole là symbole démocratie américaine là pour te empêcher certifier victoire Joe Biden dans élection 3 novembre yo. Et Trump a payé non seulement un prix politique dans ça qui concerne action à deuxième impeachment ça et même tout le monde qui était proche de gros tête dans parti républicain viré de Bali
mais semblait tout monsieur s'il pas prend bien il capable perdre tout ça te gain sur plan économique parce que punition l'aller dans tout domaine financier et économique pour lui youn nan pi gros coup ton prend c'est jour qui était 12 janvier mardi passé les New York Times annoncé banque historique qui était toujours appuyé dans tout business ni qui c'est banque allemande Deutsche Bank la gueule banque allemande décidé pour pas faire affaire avec président américain encore ni avec lui-même ni avec toute entreprise qui lié à lui yo coupé fâché net avec yo pas prêté bon côté encore et pourtant banque ça a traversé tout mauvais moment avec Trump et c'est une nan grande banque pays occidental yo qui t'est toujours continué prêter l'argent pour te construire empire lien malgré te fait plusieurs faillites dans casino lio dans année 90 Deutsche Bank t'est toujours quoi dans li il t'est toujours soutenu il était kembel comme client même elle t'a traversé de mauvais passes par exemple elle t'a enquête et côté yo suspect il était dans porte collé et avec la Russie t'a enquête sous li elle t'a gagné tout question le papier impôt en tant que citoyen homme d'affaires ou bien tout les que gagnent question scandale concernant l'argent entreprise li avec famille beau fils li et qui était dans scandale malgré ça Deutsche Bank était toujours kembel dirigeante filiale et banque ça aux États-Unis et Christiana Riley était prend position à clair après attaque 6 janvier contre Capitole là il était condamné sur réseau social LinkedIn il dénonçait il dit c'est un jour terrible qui sombre pour États-Unis et pour démocratie américaine non il dit scène ça yo qui fait là et dans parlement américain c'est une honte pour toute nation d'après sa présidente Deutsche Bank américain t'a déclaré banque là et cependant pas couper net et toute relation à 45e président américain puisque monsieur a obligé parler avec eux d'après ça New York Times connaît li doit banque ça $300 million l'a gagné pour rembourser banque là sans compter gagné une autre institution et qui gérer compte personnel président américain il commencé à fermer compte Trump gagne la caille et c'est ça il a annoncé même jour et signature banque c'est comme ça relé et qui est engagé tête li pour pas collaborer encore ak anken membre dans Congrès depuis ces monde qui t'ai voté contre certification élection Joe Biden banque ça pas collaborer avec eux c'est ça le fait qu'on est li t'ai gagné la caille jusqu'à $5.3 million et contre président américain t'ai gagné la caille alors c'est parlementaire qui voté contre certification signature banque là pas abriter contre yo la caille encore persona non grata nan banque sa yo président qui en déconfiture li vin en même temps tout pestiféré infréquentable nan monde sport sur réseau internet yo et dimanche professional golfer association en Amérique décidé pour pas organiser championnat 2022 encore dans trop national Badminster dans New Jersey et Mac Noah en jeu n'est pas capable à le porter collé à Can Trump et d'après ça Seth Vogue qui c'est directeur général instance qui organisait tournoi Grand Chelem ça chaque année golf fait connait depuis de lendemain après attaque partisan Trump ont fait contre parlement américain gain Royal and Ensign Golf Club qui sont instances dirigeantes dans golf mondial là qui t'ai annoncé complexe Trump Tunbury dans Écosse là c'est là yo toujours fait gros chaque année championnat British Open là yo pop fell année ça et d'après ça fait connait qui sont grand tournoi majeur dans monde golf là pop fell dans golf qui pour Trump là encore s'il pas avancer argument politique à clair mais club blanc aller dans son ça côté dit dit pas retourner en tant que institution et nous pas convaincu d'après ça le fait connait que nous va le faire tournoi et avec ni monde qui a soutenu nous sponsor nous ni joueur ni parcours
nous pas quoi nous capable à jouer la donne encore en parlant de Thunberry et Golfland côté qui pour Donald Trump même gens à Bedminster côté Trump joue plusieurs centaines de parties depuis mandat là il y a 4 ans il fait partie de 17 parcours qui pour lui dans question Golfland à travers le monde et qui portait emblème Mac Palla qui relait Donald Trump qui c'est empirien Bob Duffman expert dans question marketing sportif il a posé question et selon agence presse britannique en Reuters estimé deux décisions ça yo sont coup fatal yo est sur plan financier et pour groupe Trump là et c'est même qui organisait de gros tournois majeurs dans sport ça qui c'est un sport spécial golf là et qui baille au point de vue médiatique une gros exposition pour parcours et golf et Trump yo et qui fait revenir très populaire une difficulté Trump pas vraiment besoin et terrain golf li en Écosse c'est déjà perdu 3 millions de dollars pour année 2019 là et puis gain ville New York tout qui fait qu'on n'est pas fait affaire à Trump encore c'est comme si tout ça pas assez c'est pas banque seulement c'est pas secteur sportif là seulement qui décide de retirer un accord association avec Donald Trump et gain ville New York mercredi et qui se passe là qui fait qu'on est yo pas vle gen anken association avec entreprise Trump yo encore magistrat démocrate là annoncé ville côté Lombard Donald Trump enterré a met un point final dans contrat que te gen Trump organization et ces deux parties noires dans Central Park Manhattan à un terrain golf dans Bronx qui pour ville New York qui te fait contrat et c'est Trump organization qui t'a exploité yo New York pas fait affaire avec un monde qui dans mouvement et insurrection contre institution et si une entreprise ou bien direction une entreprise participer dans activité criminelle nous gain droit pour nous couper contrat que nous dégage avec eux c'est ça Bill de Blasio qui c'est magistrat démocrate New York là fait connait il dit avant de prendre décision ça il t'a consulté et juriste ville New York yo qui conclut avec violence qui fait dans Capitole là ville New York là dans doual pour les résilier contrat te gagné avec groupe Trump là qui te rapporté groupe Trump là 17 millions de dollars chaque année dans année 80 yo alors que Donald Trump te a monté dans étoile business dans question affaire caille immobilier dans pays États-Unis société liante reprend gestion deux parties noires ça yo dans Central Park c'est quand on voit moun yo kon gen patin nan pied yo gen neige et puis il y a c'est le gros business bay ça yo Holman Rink et que yo plus connaît et qui très touristique dans sud park là et qui était fait dans l'année 1950 et qui était resté fermé pendant plusieurs années yo t'a fait travail la donne et qui était commencé dans l'année 80 yo et puis avec Lasker Rink et qui plus dans nord Manhattan yo te construit dans l'année 1966 installation ça yo et c'est fierté Donald Trump qui toujours parler de yo qui montrait lycée un homme d'affaires génial et qui montrait talent gagnant pour faire business mais il pas capable faire loin ça yo encore après le film quitter maison blanche là mercredi n'est pas parce que il pas ta gain temps mais temps l'a gagné c'est dans l'autre bagaille parce que il y a un paquet de problèmes Captain ni l'a perdu l'argent l'a perdu associé l'a perdu réputation et puis il prend le gagner pour monter descendre devant la justice puisque il y a un pile dossier qui Captain ni dans plusieurs états américains donc c'est un fin mandat catastrophique pour Donald Trump qui en déconfiture. Est-ce qu'on connaît corps besoin de l'eau pour lui fonctionner bien pour rester jam? Est-ce qu'on connaît cerveau fait à 70% de l'eau? C'est peut-être ça pour boire de l'eau Dasani. Dasani c'est un produit Coca-Cola. Il est fait en Haïti, dans brasserie La Couronne, dans standard international. Fini avec on extrait dans émission parler pour avancer côté Marvel à recevoir sénateur Steven Benoit demain sous conjoncture politique là mais juste avant nouvelles actes à Washington, un homme qui était et gain zam qui était armé jusqu'dans dedans. Il a arrêté tout près Capitole là côté président élu américain a gagné pour prêter serment mercredi. Nèg ça t'est présenté hier soir dans un point de contrôle tout près Capitole là avec Zanni tout chargé
il te gagne plus que 500 cartouches munitions et d'après ça et la presse précisé et nèg ça te gagne gros arme fran fois sous dit arrêté hier soir dans Washington pendant t'a chercher passer pour entrer dans une dans plusieurs points contrôle qui gagne tout près Capitole là qui c'est parlement américain côté Joe Biden a prêté serment mercredi qui a venu là selon un rapport la police li te gagne une fausse carte accréditation et pour cérémonie investiture Joe Biden nan Wesley Allen Biller c'est comme ça relé son natif Virginie hier soir il était paraître dans un point contrôle yo pas tellement loin Capitole là d'après sa rapport police nan que agence France Presse consulté jeudi a précisé et qui confirmé une information CNN te bay la police joine nan men homme ça yon zam et qui était chargé et qui a plus 500 cartouches munitions qui était avec lui et dans occasion ça et dans moment d'a essayer entrer avec fausse carte et accréditation ça et yo mette main sous lui pick-up lion pick-up blanc gen plusieurs autocollants qui défendent droit pour américain yo gen droit porter zam yo vle en pile zam même si y a vinn prend zam ou nan men ou d'après ça dans autocollant yo écrit eh bien ou même répond yo avec balle yo d'abord et c'est slogan ça qui gen sous machine ni l'a fait promotion pour question zam et à partir de événement qui t'est passé semaine passée yo concernant attaque et partisans Trump yo t'est fait et contre Capitole là 6 janvier et Washington jeudi a vinn tourner une ville et qui en état de siège et côté c'est barricade bloc et béton avec fil fait tout partout dans capitale fédérale là autorité au peur pour pas la trouble encore dans occasion cérémonie prestation serment 46e président américain Joe Biden mercredi qui a venu là généralement cérémonie investiture ça yo c'est occasion belle fête côté plusieurs centaines milliers américains sorti dans tout 50 états qui dans fédération le débarqué Washington chaque 4 ans pour venir participer dans fête nationale ça dat ça yo acheter tout produit dérivé et qui fait ak effigie nouveau président yo considéré comme héros national yo et puis après ça y a participer et yo joui de cérémonie ça les que nouveau président a prêté serment devant Capitole là dans pied Capitole là mais année ça pas gè bagaille comme ça fête ça son fête très spécial dit hors norme côté national molan côté tout pour nous ça qu'on vient camper une grosse esplanade qui devant Capitole là l'a fermé public là pas capable venir seul monde qui gagne accréditation il faut que prenne précaution parce que ouais nom ça te gagne une faux accréditation amen a gagne autorisation pour entrer dans zone ça côté plusieurs milliers militaires déjà a fait patrouille n'a pas vide na kaipa nou ak gros échéance qui attend politique 7 février 2021 et côté gagnant et sénateur Steven Benoît ancien sénateur qui parmi personnalités politiques a mobilisé concernant gros événement qui pral fait dans pays d'Haïti et li nan dans interview li bay m'avait qualifié de très pédagogique d'ailleurs et sous finissement mandat Jovenel Moïse non la gagné pour répondre plusieurs questions dans émission parler pour avancer émission et m'avait présenté chaque dimanche à 1h n'attendait un extrait dans émission ça qui passer demain quels sont d'après vous même dans toute proposition tande yo y compris pour là les éléments ta capable di qui transversaux qui cojoine dans toute bagaille yo et qui viennent quasiment des acquis dans toute discussion qu'a fait yo parce que peut-être que des éléments de détail a dit nous tout qui pour objet d'accord mais d'après ou globalement sur qui ça en pile monde tomber d'accord aujourd'hui mon cher l'on garder 22 23 documents que moi je me tomber sur yo etc. Premier bagaille là premier peut-être on va dire premier cause de débat c'est qui devient président moi même sachant que dans cour de cassation parce que je veux dire on met le clair cour là pas gagne 150 monde il pas gagne 200 monde il pas gagne 20 monde il gagne 11 monde donc le président moi même dit on parle là parce que mon équipe monde qui mal nommé
Mwen kle sou sa, dokumante l. Mwen di nan mal nome ya, gen non de moun ki mal nome mwen kap fè kampanye de yo. Mwen di, atensyon, pal la, konsensus jwen, mwen son demokrat, konsensus jwen sou kou de kasasyon. Mal nan di pod, mwen fè expose, mal nan na radi, mwen fè expose, mal nan sosyete sivil, mwen fè expose, tout kote mbate di msi ven, expose konvenk nou, mba konvenk, abaraman. Mwen nou di, gen mwen ki di ya, li pi pre de konsensyon di ki konstitusyon. Konstitusyon, e ba konstitusyon nou fin fode, nou krasye ya, nou metel de kote 87 la, mwen ke la don mwen toujou. Mais nous mettons nous dit nous pas là-dedans. Quand là, il me donne raison. Hein. 8 ans plus tard, quand on a dit, eh bien, on a une question 87 là, mais vous m'aviez pas écouté. Mais, ceci étant dit, en plus de monde dans la congrégation, je fais débat, dans le vote, dans le consensus, je perds. En tant que démocrate, je me résigne, mais je me dis, attention, là, ou qu'à brivé, ou pas 23 juges sous 11 ans qui sont éligibles. Même, m'espérer n'a 22 éligibles et nous qu'à prendre une qui est meilleure pour le pays. Mais ça va dépendre de concours. Par conséquent, pensez ça, c'est une option majoritaire. Majoritaire. Dirpod tombe là-dedans, on a deux grands groupes qui travaillent. Dirpod, qui a 8 partis politiques pour le secteur démocratique, que je rencontre, Radi, qui a près de 300 organisations, dont au moins une centaine de partis politiques. Sous respecter les signes. Maintenant, on a des partis qui ont 50 000 votes. Théoriquement, si nous prenons aller dans la transition, hein, ce sera un président. Nous suspectons que c'est prêt un président de la Cour de cassation. D'ici semaine prochaine, malheureusement, document, déclaration 21 là devant nous, là. Le moment où on parlé là, les finales, mais un grand groupe qui m'a dit un fonds garder un petit détail. Donc, okay. Après, trop, je ne vais pas parler, mais par respect pour un petit groupe qui t'a demandé un ballon 24 heures supplémentaires là. Donc, nous ne parlons pas trop de détails, mais qui va nous parler. Parce que c'est au public. Donc, Edipod, qui gagne 8 grands partis politiques pour le secteur démocratique, là, qui part quand même une entité négligeable, plus 300 entités qui n'ont radio, déjà un point commun, ils ont parlé d'un coup de cassation. Donc, les deux groupes, ça va le rencontrer semaine prochaine, au moins là, pas de problème. Maintenant, deuxième point, c'est Premier ministre. Tous les deux d'accord, Premier ministre. Maintenant, encore une fois, je me perdu. Je me dis, on a eu la chance en 2004 d'avoir un donc Premier ministre. Sous deux plans là déjà. Oui, mais pas de problème. La majorité, à mon avis, se trompe, mais d'accord. Comment bien? Alors, je me dis, en 2004. Ils ont une bonne tactique, tout, oui, pour toujours gagner raison. Ou si, bah, ils vont marcher. Non, mais par contre, ça, moi, non, parce que ma police, non. Pas avant. Et demain, on me dit, ah, débarrasse non, non, mais, je ne vais pas gagner raison, non. Je vais aimer que, bah, ils passent bien. Mais j'ai pas oublié, mes écrits textes en 2019, moi écrit en 20, et puis qu'on a un groupe, on nous soumettre lui. Donc le document est public, ou de gagner le mauvais, nous parler de l'année dernière. Oui. Donc nous même, moi dit, en 2004, nous avons gagné chance, nous avons un président qui était, c'est un président, on ne s'est pas oublié, un professeur de droit, ce qu'on doit et devoir lui comme président, et constitution qui est en vigueur là, ni première ou deuxième, non, on va choisir version Vléa, c'est le premier ministre qui dirige le gouvernement, c'est le premier ministre qui gagne tout. Moi, je ne vais pas le faire payer à marché. Donc, moi, je te dis, en 2004, pour des présidents qui te respectaient le droit, et pour des qui t'ont pris un ministre fait travail, en parlant de la tortue. On n'a pas d'accord la tortue, mais quand même, c'est lui qui t'a dit, qui va aller faire. Donc, moi, je dis, est-ce que nous avons même chance ça en 2021 pour un grand président désintéressé avec un premier ministre qui a plein pouvoir pour faire travail? Je dis, grand risque, nous qu'à priver grand goût, mais entre deux groupes, une petite ficelle la cassée dans la transition. Ceci étant dit, je suis d'accord pour me prendre un premier ministre. Nous pratiquement dit un document comment on recrute le président. Nous dit tout comment on recrute le premier ministre. Il fait débat pendant des semaines. Jeudi, vendredi, tout le monde d'accord pour le premier ministre. Et groupe Dirpod là, et groupe Radia. Là encore, lundi ou mardi, on va le rencontrer. Pas de problème. Troisième point qui te fait débat, la durée du mandat du gouvernement transitoire. On a dit petit Dessalines de dit un an. Qu'on paquette l'autre parti politique dont émergence patriotique dit 3 ans. Après débat. Les partis politiques, y'aurait les blancs. M'a vu sous blanc tout à l'heure. Non, on a parlé de blanc, hein. Mais c'est blanc réposition. Au cas où blanc réposition, mais non, au cas où blanc t'as appelé. Blanc réposition, hein. T'as résigné en acte transition. Transition, combien de temps le besoin? Parce que blanc. Blanc dit faut le plus court possible. Calendrier. Blanc dit faut le plus court possible. Monsieur Moïse sorti là. Je dis CEP, mais c'est Monsieur Moïse. Calendrier est sorti là. Il met l'élection juste en septembre. Blanc va d'accord, non? Bon, oui. Non, Blanc dit faut le plus court possible. Maintenant, il dit ça. Plusieurs Blancs. Je ne vais pas travailler de Blanc, mais l'homme parle avec diplomate. Il dit faut. Et moi-même, d'accord. Faut lire le plus court possible. Je vais l'expliquer. Lui, pourquoi ça m'aime le plus court possible là? Et ceci, il coûte là bon. Et puis, si Dessalines joue le plus court possible. Mais mon abonne, d'où pourquoi ça m'aime? Non, bon, troisième oui, point. Hein? Le troisième point, oui, c'est troisième point débat. Durée. C'est ça. Alors, durée, moi-même, je vais le plus court possible, mais techniquement, on est à
monter en technique parce que on a fait technique ou pas un cadre électoral. Quand des malogues là, ils vont remettre en question puisque nous connaissons à travers la fraude que firme allemande joue un deal là et des monde qui viennent ristourner plusieurs millions de dollars sur deal ça et monde ça faut arrêter. Qui l'a bon bagage sous table clair et même comité bon, c'est là nous pour aller. Même comité suivi yo pour me répondre une question avec là permettre moi faire une petite dérogation tout petit. Demander pardon là oui. C'est l'important, c'est question d'importance si, et moi et ça fait moi me demander insérer phrase ça. Il revient aux différents secteurs de désigner leurs représentants dans la plus grande célérité, c'est pas une commission qui va recruter président et premier ministre. Nous dit la dite commission doit être mise en place avant le 26 janvier, seconde échéance. Entre 26 janvier et 7 février, faut gagner temps à l'encour là, à le dossier, à l'interviewer. M'a pas donné non mais d'où ça va faire. Une commission qui a monté. Tout est loin. Bon, parce que entre temps, pile dans nous, qui a mourir. Ma belle. Parce que ça gagne devant nous. Ma belle, encore une fois, vous-même. C'est pas un plaisir. En tant que démocrate, j'avais proposé le 20. Ouais, m'douli, j'avais proposé le 20. Le 26 a été adopté. J'adopte. Comment ça a fonctionné? M'a dit 20. Après débat, nous finissons d'accord 20 et puis on va le 26. Bon, m'a pas la voix, m'a dit son petit dérogation, m'a fait m'a dit pardon. Peut-être que lundi matin, l'on va le peut-être à Lionel Touyou, mais m'a pas qu'il pas loin. Donc, on l'autre de comité, hein. Peut-être Abdou, mon cher, on est revenu à la date du 20. C'est jeudi, Abdou, après-midi à la Gonti réunion à 3h. Donc, pour l'instant, c'est le 26 qui est retenu. Et on va pas faire un document, mais pour me répondre à une question, nous conscients de temps. Parce que 7 février, c'est demain matin. C'est 23 jours, nous avons parlé là. Donc, nous conscients. Est-ce qu'on pense que c'est un facteur Biden qui comptait? Même pas. Il a rien à répondre à une question, ça. On va répondre demain. Dans l'émission Parler pour nous avancer. À 1h, c'est sénateur Steven Benoît. C'est lui même Marvel à recevoir demain après-midi dans le journal là. Non, dans le journal là. Dans l'émission Parler pour nous aussi. C'est pas le journal. Mais qu'on est dans le journal là. Avec rencontre ça et plusieurs personnalités, responsables politiques te gagnent avec la presse. Jeune dirigeant Unifostan, ancien ministre Paul Denis, fait qu'on est peuple haïtien, avec toute force qui gagne dans la chambre, pape d'accord, Jovenel Moïse, était sous pouvoir après 7 février 2021. Dans l'interview Liba et Radio Kiskeya, je ne veux dire, ancien ministre Justice Paul Denis, critiqué façon pouvoir tête calé à mener bac à pays. Le collaborateur de Vladimir Maurice Kidoré était posé la question. Sous nomination un nouveau ministre dans le gouvernement et ça qui gagnait en tête li et joute et Mathias Pierre ancien sénateur ancien ministre non dit considérer ça comme un fait divers ça pas grand quelle importance pour lui parce que c'est un pouvoir qui rivé dans bout li puisque ouais par ouais d'après ça dit entièrement pour 4 heures Jovenel Moïse a quitté pouvoir 7 février 2021 avec toute acolyte li yo. D'après ça le préciser, n'attendait qui t'ai parlé comme ça Paul Denis et dans micro Vladimir Maurice Ridoé à la tête Unifos là. C'est prévu à marcher sur nous avec une situation côté mon grand président qui lui-même l'a pas avancé sans garder derrière la consolidation d'un régime de terreur, un régime dictatorial, li gade, li pa wè, koute le patende et li comprenne que le cas imposé au pays sa présence dans le pouvoir au-delà du 7 février 2021 en violation de la constitution l'article 134.2 de la constitution gagnien yon peuple qui vit une situation qui insupportable situation de pauvreté situation misère situation kidnapping situation côté on prend régulièrement on prend le pouvoir avec les bandits à organiser des massacres dans le pays bref une situation d'insécurité généralisée sur ensemble territoire qui est insupportable, qui est inacceptable. Et population, les organisations de la société civile, les partis politiques représentatifs de ce pays, qui comprennent la situation, ça, qui dit président, il est clair que le pape qui a été là au-delà du 7 février 2021. Ouais, pas ouais, ou calé. Donc, gagner tout son travail qu'a fait au niveau société, il y a un marché contre l'autre, que ce soit au niveau des organisations politiques, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, les citoyens et les citoyennes concernées pourront mise en commun qui fait. Donc, c'est ensemble qui fait pour nous aider.
coucou rouge derrière Jovenel Moïse qui comprennent bien qu'il y a une prétention, il va imposer présence li dans le palais national au-delà du 7 février. Nous disons une bataille, nous avons rassemblé force nous pour nous rendre projet ça impossible à réaliser pour que à partir du 7 février, eh ben nous rentrer dans l'autre ère pour nous garder Sina refait, reconstruit tout ça, pour voir Jovenel Moïse là en train de craser, pour nous reconstruire, pour nous ouvrir chemin pour que pays reprenne route démocratie, route construction état de droit avec tout le monde et pour tout le monde. Comment nous ouais nomination Mathias Pierre? Bon, ça sont faits divers. On fait divers. Ça n'a aucune importance. C'est un pouvoir là qui finit, qui va arriver en vrai. La limite il a moins de mois, c'est un pouvoir qui finit. Bon, si vous voulez faire nomination, si bien mon candidat font une chita sous chaise ministre, si vous pouvez lui mettre le chita sous chaise ministre, bon, c'est au connaît. Mais ça n'a aucune importance en ce qui concerne ça qui est fondamental dans le pays. Nouveau ministre, pas nouveau ministre, ça qui est fondamental, c'est que Jovenel Moïse est pour le parti 7 février. Nous sommes avec tout équilibre, tout équipe, tout acolyte. Voilà, c'est Paul Denis, dirigeant Unifos, non micro Vladimir Maurice Doré. Mais non, conférence pour la presse, où t'étendais Maître André Michel avec le professeur José Mélien, dans le local secteur démocratique et populaire, jeudi. Il y a plusieurs personnalités politiques qui étaient présentes, en cours ancien sénateur l'Ouest John Joel Joseph, ancien député Ulrich Saint-Cyr, représentant A. Roberto et Flanky Balise, et puis Petro Challenger, Réginal Dumé, à Clot encore, et d'après ça, Hervé Noël précisé. Toujours concernant position dirigeant politique et organisation, à la tête MPPL et Chavan Jean-Baptiste, lançons un appel by toute force politique à tout secteur dans la vie nationale là pour arriver en tenue sous nécessité pour Jovenel Moïse quitter pouvoir dans le finissement mandat 7 février 2021. Les journalistes Vladimir Maurice Ridori ont posé la question, ça le pensait, sous nomination ingénieur Mathias Pierre qui est entré dans le gouvernement hier. Chavan Jean-Baptiste dit nomination ça, pas fait le saisie parce que selon lui-même, Mathias santé gintan avec Jovenel Moïse depuis dix d'antan d'après ça le fait connaître n'attendé à la tête MPPA Chavan Jean-Baptiste dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Nous tout près 7 février oui nous lançons un appel by toute organisation politique, toute plateforme politique, toute organisation dans la société civile là, eh bien pour nous prendre initiative n'importe capable de prendre dans l'intérêt pays, on chita en toute plateforme, tout secteur net dans la vie nationale là. Et société politique, société civile, pour nous joindre entente, eh bien, entente ça, c'est lui-même, c'est avec accord ça pour nous mener discussion, yo, c'est ça qui doit guider mobilisation qu'a fait, faut que nous arrivions, gagnons, yo, état major, nous entendre qui gagne doit parler dans nous, pour Jovenel aller, Jovenel, il pas décidé aller, mais gagnons bagay qui est de plus en plus clair, et pour tout haïtien, et Jovenel, c'est fini, c'est pas personne qui m'a dit Jovenel quitter pouvoir, bon, moi-même, c'est vrai que je fais partie des mondes depuis 3 ans, et qui exigeait de pas Jovenel, parce que et pouvoir là son pouvoir criminel mais et je dis à c'est pas quitter n'a demandé le quitter pouvoir c'est mandat Jovenel qui finit selon constitution hein? Et peuple haïtien pas paré pour après 7 février et bien pour Jovenel continuer gain pied et sous coup peuple haïtien. Comment nous comprendre nomination Mathias Pierre? Bon Mathias là t'es déjà montré tout le monde qui laisse lié non. Et depuis période élection, hein, et m'bate qu'on aime monsieur avant, mais les monsieur paraît, bon, nan parole li abay, mais tout de suite après, monsieur glissé, entré en bas avant, et Jovenel, et qu'on y a, ça pas fait m'saisi, mais, yo même yo dans rêve, son rêve, et yon rêve irréalisable, parce que pas gagné aucune élection. Jovenel pral fè nan peyi Ayiti. Kòm kounye la, bon diktati a la Jovenel, genyen yon konstitisyon a la Jovenel ki a prepare, gen konsey elektoral Jovenel, yo pral fon eleksyon Jovenel, e pou Jovenel kom sel met, bon nan tèt li kwen se met peyi d'Ayiti, men pep ayisyen pas bay piyay ça pas aucune élection pour le faire dans pays avec Jovenel Moïse dans palais national. Dirigeant MPP à leader paysan Chavan Jean-Baptiste dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Une autre coupe d'actualité internationale là nous pour aller en Afrique Ouganda
sixième mandat pour Yoweri Museveni qui sous pouvoir depuis 1986 d'après sa conseil électoral pays par la fait connaître. Oui, il parti pour sixième mandat, il est élu avec 58,64% des voix qui exprimé yo. C'est sa commission électorale là et fait connaître. Malgré principal adversaire qui c'est un artiste qui est venu élu comme député qui très populaire dans le pays Uganda, Bobby Wine pas reconnaître résultat élection yo. Hier pendant t'a rencontré la presse, la mette sene et propriétaire côté Kailiea, il était dénoncé, il a été plusieurs fois en pile partisan pour prison. Mais président ça et Museveni te prend pouvoir en 1986, il était jeune et dans sa première parole il était dit ton rebelle il était fait connait un problème qui gagne en Afrique c'est que nèg yo croqué dans pouvoir ni même ni pas de venir pour le rester mais je veux dire le parti pour sixième mandat et là il te prend pouvoir Bobby Wine te gagne 3 ans. Imaginez, je dis à 86 monsieur te prend pouvoir et eh bien monsieur croqué dans tête pays Ouganda nous c'est pas seulement Trump qui un modèle pour politicien qui n'a pouvoir en Haïti mais tout yo gardé continent africain dans ça gagné qui pire qui mauvais comme modèle. Saint Karl Lévesque SKL dans une note qui pote date 14 janvier dénoncer répression à la Fédération gang yo et qui c'est moteur et pilier pouvoir tête caléa deux outils régime Gopoyet en Jovenel Moïse l'a servi avec eux pour capable kembe pouvoir. Li clair d'après ça dit c'est un bagage moun wè chaque jour plus répression et puis avec Fédération gang yo qui a essayé pour normaliser tête yo c'est ça qui pratique qui gagne jodi a dans République d'Haïti pour kembe pouvoir. En pile fois gouvernement Moïse Joutenant et servi à deux outils sa yo pour capable créer la pérèse dans mitan population une façon pour pas soulever contre misère cap koukouman yo grand goût et pile à paquet fatra et malpropreté insalubrité qui couvre tout pays à corruption kidnapping et latrier et ça veut dire lever campé contre Moïse Joute. Et stratégie ça livlé pour capable chita projet dictatorial Jovenel Moïse là un projet qui depuis dit d'antan depuis l'elle fait criver dans palais national stratégie ça li commencé à vinn et donner et là qu'elle te refuser catégoriquement pour te renouveler mandat expert indépendant Nations Unies sous situation droit monde en Haïti Gustavo Gayon et un comportement comme ça et après la facilité massacre qui fait dans plusieurs quartiers populaires côté de gros responsables dans gouvernement impliqué directement ancien délégué départemental l'ouest là Joseph Pierre Richard Rigaud Duplan et avec ancien directeur général quoi que c'est Pierre Richard Duplan Duplan sur notre moment et puis avec ancien directeur général Ministère intérieur collectivité territoriale Fednel Monchéri. Ça prouvé et qui Jean et gouvernement ça li l'aide et dans tête république là étant chef l'état et qui t'a doué lui-même veiller sous respect à exécution tout article dans constitution et puis à stabilité institution yo pendant que l'a assuré et que tout pouvoir public yo a fonctionné ensemble avec l'état pas jambe campé et li vin de préférence entrer en rébellion contre constitution li banaliser la vie et la violer systématiquement constitution qui c'est maman loi pays ensemble avec toute convention tant que convention américaine sous question respect droit moun l'état haïtien signé et ratifié organisation ça SKL fait connait et les l'a garder cadre légal ça yo à travers article 19 et puis 4 qui dit à clair et l'état gain devoir et obligation pour garantir respect droit monde pour vivre droit pour gain santé respect chaque monde et tout citoyen quel que l'en soit côté monde n'en sorti gens que déclaration universelle droit monde n'en dit son responsabilité l'état pour assurer que droit respecté
tout le monde a droit pour respecter la vie yo, et droit ça et la loi protéger et en général et depuis le monde nan vote maman ni supposé bénéficier protection pas gen aucun monde de façon gros pour être capable retirer la vie yo. Mais l'état haïtien complice ça plus grave encore est-ce qu'elle cap parler président Jovenel Moïse prend décision pour relancer commission nationale pour désarmement démantèlement réinsertion CNDDR alors que porte-parole commission ça Jean Rebel d'Orsena dans interview li ba yon radio dans capitale là fait connaître eux même qui t'a ordonné toute gang yo pour te faire une fédération yo relé G9 en famille alliée pour te capable regrouper en plus de ça organisation SKL estimé comportement gros poète autocrate Jovenel Moïse semblait sous compte de goutte d'eau à comportement dictateur Duvalier régime sanguinaire ça et sorti 1957 privé 1986 qui établit une dictature dans tête pays en lui-même avec famine et c'est comme ça ça elle a fait je dis ça Duvalier était qu'on fait dans chaque localité elle te mettait tonton macoute qui pour te terroriser population pour te empêcher de lever campé contre lui et est-ce que pas des monde qui songeait crime Clément Barbeau, crime, nous pas quand même imaginer Tibobo, Tiboulé, Boss Pinte, Saint-Ange Bontemps, Gérard Brunache, Baron, Zachary Delva, Madame Max Adolphe, existence fort dimanche fort l'homme. Est-ce que nous oublions attaque qui était faite sur une journaliste femme et Madame Yvonne Hakim Renpel et fusillade qui était faite quand elle était assassinée et Numa Agdouin et fusillé et sur la place publique devant tout le monde bandi yo te gen rôle pour agresser et touyer population pour empêcher ou mobiliser contre dictature Duvalier yo et bien c'est même méthode là Jovenel Moïse utilisé journée jodi a ak G9 là en famille ak allié qui gagne comme commandant Dimi Cherizé alias Barbecue Mikanor Chris Latilapli Izo Mano Iskar T Junior et Latrier à travers commission ça les CNDDR là il clair d'après ça SKL va poursuivre pour dire que groupe armé ça yo gang ça yo yo gen même mission que groupe tonton Makout Duvalier yo et faut nous pas oublier barbecue te déclaré pas gen manifestation qui a passé en bas d'Elma personne monde pas empêcher petite li à l'école et bien là n'a regarder question et organisation SKL a posé tête li c'est qui ça motivé barbecue l'elle voulait empêcher population jouit de façon totale capitale liberté le gagner pour l'exprimer et ça c'est une preuve est-ce que c'est pas une preuve qui montrait réellement relation gagner avec autorité qui en place dans tête pays en plus de ça G9 en famille ak allié il y a même ennemi ak pouvoir et président a parlé même parole à chef bandi barbecue yo gen même discours qui semblait sous compte de goutte d'eau d'après ça SKL a poursuivre pour dire organisation SKL pas suspend exprimer inquiétude li le l'a regarder situation institution publique yo tout qui craser qui effondrer et c'est pouvoir exécutif là avec Jovenel Moïse tout seul qui était li fait loi li Jean Vlé li publier Jean Vlé il fait toute qualité décret genre de comportement ça yo là pour craser toute valeur démocratique son perversion et alors que société ça té goumé et après Duvalier té fin tombé sous pouvoir pour pays a pas jamais tourner dans dictature à partir de tout ça yo qui clair pour nous toutes sur la place publique li clair li important pour nous avouer si Jovenel Moïse dans tête un pays a pas accepté article 134-2 qui dit avec article 239 dans décret électoral 2 mars 2015 non 7 février mandat fini et bien c'est un dictateur classique qui a prêté dans parler et à partir de ça organisation SKL qui a défendu droit monde centre Karl Lévesque a demandé une autre fois encore population mobilisée contre tout tentat dictatorial Jovenel Moïse a affiché devant c'est révérend père Gardi Maisonneuve directeur exécutif Centre Karl Lévesque SKL qui signe notre ça qui fait partie de POHDH plateforme
organisation haïtienne qui a défendre droit moun. N'a continué avec réaction et dirigeant avec personnalité politique et dirigeant nous là docteur Louis Gérald Gilles mandé Jovenel Moïse pour bien comprendre 7 février 2021 mandat fini. Le dans interview li bay Vladimir Maurice Ridoel te posé le question c'est un élément qui vient entrer dans l'actualité politique là que ça le pensait de nomination ingénieur Mathias Pierre gouvernement de facto monsieur Joseph Joutenon pour occuper spécifiquement de questions élection avec parti politique yo li de préférence lancer un appel by Mathias Pierre li mandel pour le ressaisir n'attend des dirigeants non là docteur Louis Gérald Gilles dans micro Vladimir Maurice Ridoel. Nous voyons que 7 février, ça, c'est une perspective qui est très, très sombre. Nous n'avons pas aucun doute dans ça par rapport à l'expérience nous tous dans la vie politique haïtienne. Nous pensons que 7 février, cap vini là, 2021, nous fait face à un président qui malheureusement tenace, téméraire et aussi qui manque une certaine honnêteté parce que même j'en ai coupé dans le mandat sénateur et même j'en tout le constate qu'un député pas même fin de faire 4 ans, au nom de la Constitution, au nom du respect mandat constitutionnel qui est gagné, nous connaissons que nous pas capable de référer à aucun mandat calendaire. C'est d'abord le mandat constitutionnel qui fait que député ça n'a pas traité dans la Chambre des députés, mais il fini faire 4 ans. Même Jean-Tour, un des sénateurs, au nom du mandat constitutionnel, au nom de ce mandat, même Jean-Président reconnaît que le mandat a été fini. Il faut le président Jovenel Moïse comprendre que 7 février 2021, mandat fini. Maintenant, nous déjà connaissons avec l'emploi de la force, il pourra le tenter, 7 février 2021, même Jean hier, nous, ouais, qui Jean, n'aigu tenté tuer aux manifestations citoyennes dans l'œuf, pendant que, il pas même pas de chambre qu'un désordre dans le maniflant, nous était quoi que c'est l'arbitraire, c'est l'épreuve de force, que il pourra le tenter, au-delà de 7 février 2021. Selon logique de épreuve de force liée à la population, hein, et population lui-même, la présence, monsieur, le 7 février 2021 comme un défi. Et population haïtienne, par contre, prend le monde qui a bal défi. Population lui-même, il était très unie, très forte. Il croit que 7 février 2021, c'est fin mandat constitutionnel président Jovenel Moïse. Et qui compréhension nous de nomination Mathias Pierre? Au niveau nous là, nous rions pile en même temps, une certaine tristesse. Nous pas connaît parce que Mathias, c'est quand même un monde que de génération nous, que nous connaissons, fait preuve d'un pile coup. Comprendre comment que lui faire rentrer la tragique comédie ça. Parce que tout le monde connaît, tout le monde constate, question de élection qu'on y a, quel que soit le monde qui a parlé de ça, ou est tout simplement si on va démagogie, pas d'aucune disposition qui prend pour question élection faite dans le pays. Et nous pensons que Mathias Pierre a ressaisi pour le connaître que, au contraire, c'est mal que l'a fait tête, mal l'a fait, malheureusement. À famille, mette sous peu, l'a constaté que définitivement, c'est non démagogie que l'entrée, l'a fait marche arrière et l'a fait retirer colle, là, excusez mes expressions hein, qui très dur, mais c'est le mot, dans l'orbeille que le fourré colle là. Voilà, c'est dirigeant nous là, docteur Louis Gérald Gilles, nan micro Vladimir Maurice Ridoé. Porte-parole OPL là, Daniel Syriac, fait connaître population pays d'Haïti. Pas raté rendez-vous 7 février 2021 qui c'est finissement mandat Jovenel Moïse. C'est ça le dit dans l'interview, ça a dit by Radio Kiskeya journée jeudi a. Dirigeant politique l'a mandé population Marie Saint-Hilaire pour ça qui gagne à ouais à 7 février à qui arrivé parce que dit Jovenel Moïse avec PHTK, yo pas fait au cadeau dans sens ça, eh bien faut que peuple là lui-même met courage sur lui, c'est foncer, il dit pour foncer. Là nous te poser question sur nomination ingénieur Mathias Pierre, porte-parole OPL l'a dit, li pensé monsieur Pierre, il était pensé il était gain plus bon clairvoyance politique. Li pas de quoi t'a quitté Jovenel Moïse utiliser n'a cité tant coup une poupée étoile. Et n'a tendé qui t'a parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoré, Daniel Syriac, porte-parole OPL. Son situation, nous quoi je dis là qui interpelle tout le monde et puis qui suffisante à lui-même pour capable mot
mobiliser population dans quatre coins pays. Et c'est ça nous ouais qui commence à faire dans la journée hier 15 janvier. Living clair pour la grande majorité peuple haïtien jeudi a rendez-vous 7 février 2021 son rendez-vous qui pas capable rater parce que président Jovenel Moïse non seulement mandat a fini dans date 7 février 2021 mais c'est un monsieur que pays a déjà tellement fatigué ensemble avec lui pour ensemble de tort que lui fait nation haïtienne non donc à la fois avec mauvaise gestion lui incapacité pour lui diriger comme chef d'état mais c'est beaucoup plus méchanceté le tout parce que dans l'histoire pays a et c'est premier fois quand même que Haïti est noté que les gars ont président qui célèbre la question de définir connivence li avec gang armé avec criminel pour capable tuer moun pour capable déchepiller ça peuple haïtien gagne dans trésor public là date 7 février 2021 c'est pas yon jouet lié c'est pas yon simple parole qui a pu parler mais c'est yon projet que peuple haïtien vient pour le réaliser avec détermination et c'est ça qui fait que nan jou kap vini la yo bon nous même comme dirigeant politique nous capable mander peuple haïtien tout monde c'est Marie Saint-Unou parce que nous connaît Jovenel Moïse pas fait nous cadeau et moun PHTK pas fait nous cadeau faut peuple la comprendre que c'est foncer pour nous foncer sur Jovenel tout bon donc pour nous capable sortir avec des parler dans date 7 février 2021 comment comprend nomination Mathias Pierre pour le citoyen Mathias Pierre lui-même nous-mêmes nous a dit bon nous t'ai pensé que Mathias Pierre t'ai gagné une plus grande dimension politique à savoir que son monde qui t'ai gagné la clairvoyance qui t'ai capable comprendre na qui opportunité que lui-même est capable entrer la dernière et qui ça pour lui refuser tout donc c'est bien malheureux que monsieur Mathias Pierre tout le monde te connaît comme une figure politique qui fait non lit et puis monsieur laisser Jovenel Moïse joli avec lui fait de lui un simple marionnette parce que en aucun cas monsieur Mathias Pierre là il pas capable de réussir parce que pas gagné élection qui pourra le faire dans pays avec Jovenel Moïse avec PHTK. Voilà Daniel Syriac porte-parole OPL non micro Vladimir Maurice qui doit l'autre responsable politique qui exprimait sous conjoncture, c'est ancien sénateur Fomin Abalas, sénateur Yvon Feuillet, ancien président Sénat, fait qu'on ait nomination Mathias Pierre comme ministre délégué, bon côté premier ministre de facto qui est en charge des questions électorales, c'est maniguette pour Caponeo et puis ça pas Bridigno, dans bataille a mené pour forcer Jovenel Moïse quitter pouvoir, faire l'autre considération. Encore dans interview ça li bay radio Kiskeya li fait connaître pourquoi il est là et c'est regroupé y a regroupé yo dans opposition pour préparer et après 7 février qui donc après Jovenel Moïse pour capable planifier transition n'attendez ancien sénateur Yvon Feuillet dans micro Lori lui jeune m'a salué Kiskeya et puis me tout souhaiter pour nous rété dans même ligne là côté nous avons pas population n'a pas le bon information et bien nous même dans l'opposition hein, et que nous et qu'on est 7 février 2021 et mandat et président Jovenel fini et c'est pas nous qui dit c'est constitution qui dit dans article 134-2 et c'est décret électoral de mars 2015 qui dit dans article 239 li. Mais ou qu'on est ou pas capable empêcher au monde et montrer folie si qu'on y aller joindre quelque monde qui en faillite politique qui peut accepter partager une série de responsabilités qui est lié à volonté pour le plan de dictature dans le pays. Population en parle pour lui, mais c'est bien regretté pour eux, on entend ça, on a mal l'école, on fait tout effort, et puis qu'on y a la même, bon, et puis pour arriver dans la situation, ça là, mais de toute façon, là, on a failli, en faillite politique, tant qu'on m'a dit à cela, le bon responsabilité comme ça. Donc, écoute, ça, yo entre dans Maninguet pour craponner le monde, mais nous-mêmes, ça, yo pas branding, non, et c'est n'a yon collé les épaules, non, pour nous renforcer tête, non, et que côté nous-mêmes,
nous déjà entré dans une dynamique d'opération tête ensemble qui pour rassembler au maximum de monde qui est dans l'opposition, que ce soit dans le secteur politique, que ce soit dans la société civile, là, pour nous accompagner la population, hein, pour nous faire respecter l'article 134.2 de la Constitution, hein, pour nous faire respecter l'article 239 dans le décret électoral. Donc, en dernier lieu, ça l'a dit, actuellement, nous n'avons pas occupé nous de ça pour voir ça a fait, n'a pas occupé nous de ça ne va commencer à partir de 7 février. Si nous avons planifié après 7 février 2021, est-ce que ça t'a voulu dire tout bagaille déjà en place pour forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir 7 février 2021 s'il pas voulu aller volontairement? Si c'était pour la population haïtienne, non. Elle a essayé d'y aller déjà. Mais on connaît le gros bras non international là. Qui gagne même pensée? Qui pense même la clé côté démocratie pas rien, c'est autocratie, c'est dictature qui compte, l'État avancé. Mais en même temps, la population haïtienne, non, il a mobilisé, il a demandé pour démissionner. Donc, les ça, tu gagné une alternative, tu gagné un choix. Puisque le mandat pour te finir, il a demandé pour démissionner. Donc, à la rigueur, l'État n'a pas droit à démissionner, mais je dis, c'est pas ça lié. Je dis, c'est le mandat qui finit 7 février 2021. Donc, on y est là. N'a accompagné la population ancienne pour utiliser toute sa constitution en bas nous pour faire respecter la constitution ça. Et pendant ce temps, nous ne pouvons pas quitter nous pour un effet surprise. Nous connaissons l'aller. Et maintenant, nous continuons à multiplier les efforts dans l'opération tête ensemble pour nous coller tête à tout le monde côté dans le dipôt, côté dans le cadeau, côté dans l'opération tête ensemble, côté dans la famille Lavalas, côté dans la petite Dessaline, et que ou dans la société civile, là, que c'est l'ensemble des organisations. Et maintenant, il y a tendance là, c'est le regroupement qui est censé finaliser, c'est machine qui a brûlé. Et puis, quand il y a la même 7 février, nous recommençons avec un groupe de transition de qui est capable de permettre nous vraiment et avancer dans la conférence nationale pour n'allemagne problème état de droit, pour n'allemagne problème développement de façon pour effectivement nous capables dire entre 7 février et X qui côté n'a mis des pays. Sénateur Yvon Feuillet dans micro Laurie Dujane sous conjoncture et politique là. Concernant manifestation et un peu de critique pour Jean la police. Te géré manifestation hier. Porte-parole organisation Femmes Vaillantes, Madame Sheila Pelissier, dénoncé répression, li di la police fait, sous moun ki t'ap manifesté pour te empêcher exprimer droit yo. Madame Pelissier retourné sous divers actes maspinay, li di la police tenté fait dans occasion manifestation hier. Li parlait de plusieurs militants et qui étaient subi et nan main la police hier vendredi. Côté plusieurs policiers étaient maltraités, manifestants, journalistes et avocats, dans l'occasion de manifestation dans Port-au-Prince. Madame Sheila Pelissier voyait un message par le directeur général AI Police Nationale, M. Léon Charles, et pour le rappeler, il n'y a pas de droit interdit citoyens manifester sur route aéroport. J'en dis ça dans le communiqué de soutien. Porte-parole organisation Femmes Voyantes, mandé Léon Charles et pour le ressaisir. N'après les déclarations porte-parole organisation Femmes Voyantes, Madame Sheila Pelissier, qui te parlait comme ça dans le micro Hervé Noël. Je voulais faire la police connaître que ce n'est pas une obligation. Nous avons dit que je venais aller, c'est le mandat qui finit. Égal la police se met à faire les répressions 24 sur 24, pas qu'à empêcher. Je venais la lire. Et gars, si on copie au pour faire job, ça vaut mieux que remettre lui parce que n'est pas abouti. Selon article 134-2, c'est mandat Jovenel qui finit. Faut que lui aille. Également, même problème, moi, c'est parce que moi, ouais, l'air du feu a pris dans le quartier populaire. Radio Kiskeye a boulé. Il y aurait les pompiers, pas jamais de l'eau. Pour qui ça fait que les caoutchoucs a boulé, la police toujours joue de l'eau dans les pompiers pour venir tuer caoutchouc a boulé dans la rue. Également, pour qui ça fait la police, ça, c'est la police qui est là seulement pour manifestation. Ou dans la rue, dans la rue, pas gagner la police. Beaucoup de gens ont écouté la police qui est libérée, qui est kidnappée au bras. Pendant ce temps, c'est seul manifestant qui a maspiné. Regardez pour la police, là, il y a un problème, c'est avocat qui pour libérer. Quand il y a un problème, c'est journaliste qui pour parler pour lui. À qui est-ce qu'il choisit de battre ses journalistes? C'est avocat. Demain, quand il y a un show, qui est-ce qu'il pour défendre son avocat? Moi, je m'a demandé aux policiers qui sont dans ces populations, hein? Nous, même peuple, là, nous pas en face, non. Parce que nous sommes dans la matrice peuple, là. C'est quoi nous qui payons nous? Quoi nous payons nous aujourd'hui, c'est pour nous sécurité.
pour supporter nous dans tout bagage positif que nous fait. Yo pas payé nous pour nous venir battre nous maspiner nous dans état n'a maspiner nous. Regardez une manifestation qui commençait pacifique hier. Dès pour faire ça ou commencer faire cérémonie seulement la police a bon problème, la bat monde, il y a voyer de l'eau sous, il y a fait toute qualité bagage qui pas bon. Est-ce que c'est et police ça seulement qui te choisi voter Jovenel pour kembel sous pouvoir ou bien que pouvoir c'est pouvoir la police lié ou bien papa de Saline te goumé pour la police avec Jovenel. M'a dit nous pays c'est pour nous tous, pays pas pour Léon Charles, il pas capable nous limite côté pour nous passer. Mais qu'on a dit nous pas qu'il doit manifester sur autoroute Delma. Est-ce que de Saline te prend bout dans pays, il te divise, il te dit Léon Charles mais bout pas, il te ba nous même peuple là mais limite pas nous. Nous dit pays de Saline là pour nous tous, nous pas qu'il doit gain limite nous doit marcher dans tout pays pour nous faire revendication nous passer. Là nous avertir la police de manifestation sur façon que nous faire connait nous dans la rue. Pour nous capables de nous sécurité. Mais nous ne demandons pas la police droit pour nous manifester. La droit pour nous manifester, c'est un devoir. C'est la constitution qui bat nous-mêmes. L'homme n'a pas fait nous bien pour nous sortir dans la rue en foule, pour nous dire non avec Zach Maspinassa qui a fait sur nous. C'est ça fait que je dis, nous venons de Léon Charles ressaisir, parce que Jovenel Pralé, il n'est pas quitté. Jovenel Pralé, il a jugé lui-même pour tout Zach qu'il fait. Voilà, c'est concernant manifestation. Et qui était faite hier avec conséquence et chez la Pélissier qui c'est porte-parole organisation Femmes Voyant qui t'a dénoncé et mauvais traitement la police t'est bail plusieurs monde qui t'a manifesté hier dans Port-au-Prince. L'actualité internationale là Angela Merkel a préparé pour quitter politique et pour quitter parti là, t'a gagné un congrès parti là t'a fait et gagné un nouveau chef un modéré proche Angela Merkel Armin Laschet, c'est lui même qui prend tête CDU qui c'est plus gros parti en Allemagne, c'est parti chrétien démocrate et c'est un européen convaincu qui donc en faveur et Union européenne, li proche ligne idéologique Angela Merkel te défend pendant presque 18 ans passé dans tête parti et dans tête l'Allemagne et peut-être le ou chef parti ça pas dit automatiquement ou capable vinn prochain chancelier mais il capable peut-être ce prochain chancelier allemand puisque Angela Merkel dans environ 8 mois a quitté poste li comme chancelière et li au zénith dans ça qui concerne popularité allemand fou pour Angela qui c'est une dirigeante hors pair qui pas mettait tête li devant mais c'est toujours l'Allemagne intérêt l'Allemagne li incarné et li défend ni et sans qu'elle pas faire grand pampan et puis bon, son scientifique lié tout extrêmement efficace donc Union chrétienne démocrate la CDU qui s'est parti Angela Merkel là gagne un nouveau président Armin Laschet et qui élu dans élection parti à tap fait Yoel comme s'il élu comme chancelier qui pral et dans même ligne avec Angela Merkel il c'est un catholique il a 59 ans il fait en 18 février 1961 li remporté présidence Union chrétienne démocrate la journée jeudi qui c'est plus gros parti politique en Allemagne et devant deux autres candidats Friedrich Merz ak Norbert Röttgen qui perdu. Victoire là l'ouvri en théorie et porte pour li nan course pour remplacer Angela Merkel dans élection législative qu'a fait dans mois septembre 26 septembre. Mwen vle pour nous rassembler et tout le monde et pour nous faire union c'est lui même qui t'a porté Angela Merkel sous pouvoir pour nous kembe chancellerie dans élection pour le faire dans mois septembre nan. D'après ça il dit dans première réaction après victoire Armin Laschet il sorti très loin parce que d'abord il était favori environ un an les courses ont été lancées pour remplacer Annegret Kramp et Karen Bauer et qui c'était une autre femme qui t'a prêt à remplacer Angela Merkel. Mais mademoiselle craqué après le fin et jeune place non il était démissionné et bien et popularité l'achète fond tout sous compte bain dans soleil yo reproché d'après avoir dans lander l'a dirigé qui sont une espèce de état puisque l'Allemagne et c'est une fédération Rhénanie et du Nord Westphalie et qui c'est zone qui plus peuplée en Allemagne non yo reproché monsieur et manque leadership li manque détermination et contre coronavirus non et côté monsieur paye ça très cher et de reprocher ça jusqu'à présent li c'est un dirigeant local
li c'est papa trois timon et li c'est un modéré qui proche chancelier là bon c'est ça je dis son centriste donc et l'autre candidat yo gagne qui était très loin de tendance en politique Angela Merkel puisque dans parti ça yo en pile fois gagne divers courants donc li c'est une rare personnalité qui était soutenu sans réserve décision Angela Merkel te prend pour te recevoir presque 1 million Syriens ou bien à monde qui était sorti en Afghanistan dans crise qui était sous que l'Europe crise immigration en 2015 et conviction sur plusieurs questions sensibles c'est pas journée jeudi à politique li en faveur intégration libérale alors que le te ministre régional dans année 2005 te fait yo te baltino Armin le Turc puisque on connaît plus communauté étrangère qui gagne en Allemagne c'est Turquio et c'est comme ça relé en dedans parti. Il est toujours en faveur diversité ethnique et alors que gagne de l'autre allemand dans propre parti qui voit ça comme une menace pour lui-même c'est un défi et une chance l'Allemagne gagne, il était toujours sous position ça. Bref, et dans question yo reprocher particulièrement d'après avoir au commencement dit pas de quoi et yo te doit prendre des mesures pour te couper et virus là. En après il vient font folle il font volte-face mais il reproche tout d'après avoir dans et l'elle passé commande pour te acheter masque pour zone qui que l'a dirigé à et bien petite il te fait publicité pour une compagnie comme influenceur sur internet et bien c'est compagnie ça il te bail contrat donc il reproche de népotisme il y a toute casserole ça l'a traîné est-ce que ça permet que l'ivini prochain chancelier a yo pa konnen mais l'Allemagne et c'est un garçon qui pral diriger après Angela Merkel pral quitter poste li après élection qui pral fait dans mois septembre nan donc parti an gagné un nouveau chef tranche journal ça c'est Autoplaza accordia